Bonjour les amis, comme on est avancé un peu dans le cours de comptabilité, je vais vous donner un exercice complet à faire, comme ça on va mettre en pratique toutes les notions que nous avons apprises jusqu'à l'instant. Si vous n'avez pas encore regardé les cours depuis le début, sachez qu'il y a une playlist qui regroupe tous ces cours de A à Z. Dans cet exercice, les questions sont les suivantes. Établir le bilan initial, effectuer l'ouverture des comptes, comptabiliser les opérations en T, clôturer les comptes, calculer le résultat, établir le bilan final. Voilà pour les questions typiques d'un exercice complet en comptabilité. Maintenant, je vais vous donner la situation de l'entreprise, la situation initiale. Vous avez le bâtiment 20 000 euros, capital à chercher, caisse 500 euros, client 5200, fournisseur 1300, mobilier 11 000, la banque 15 000 euros, marchandises 10 000 euros. Voilà pour la situation de l'entreprise et pour les opérations. L'entreprise a effectué 5 opérations. La première opération, c'est achat de marchandises 2300 euros hors TVA plus 21 euros de TVA, facture numéro 1. Deuxième opération, paiement de la facture numéro 1 par la banque. Troisième opération, vente des marchandises de l'opération 1 à 3500 euros hors TVA plus 21 euros de TVA. Quatrième opération, nous recevons une facture d'électricité à 150 euros plus 6% de TVA. Et la cinquième opération, paiement de la facture d'électricité par la banque. Voilà, donc on va se limiter à ces opérations pour s'habituer progressivement à enregistrer les opérations en comptabilité. Voilà, je vous laisse faire cet exercice et je vous donnerai la réponse, bien sûr, comme d'habitude, la prochaine fois. Je vous dis alors, bon apprentissage et à très bientôt.